parole à palais.com. Bon, et une autre fois, bonjour tout le monde. Bonjour, jeudi, c'est jeudi. Jeudi 13 décembre 2018. Nous avons rapproché nous et à grand pas vers la fin de l'année 2018. Et on est quitté, qui chargé avec événements. Bien que l'année n'a pas fini, nous étions bon 20. Moins que 20 jours. Moins que 20 jours pour me passer en dernier ça. Je vous dis déjà 13. Donc, pas loin du 1er janvier 2019. On parle loin de ça. Ben, et c'est une année, on a dit, on a fait politique, t'as dû apprendre un pile de bagaille. T'as dû apprendre un pile de leçon. Et événements qui passent dans le pays, ou du moins événements politiques qui passent, ils n'ont pas sans conséquence tout. Pas sans conséquence sur la vie chaque grand haïtien, sur la vie macroéconomique pays, il n'est pas sans conséquence. Et mon conseil de la question, c'est que vous êtes capable de nous passions là l'année 2019 qui n'est pas trop différent tout de 2018 là. Rien que parce que différents acteurs dans la vie nationale là ne pas jamais apprendre de événements passés. Et autant qu'à même dit, c'est son crise mondiale. Question ça. Et acteurs politiques ou bien même acteurs économiques ils ont du mal à tirer le son des événements passés et ils prennent mal un plaisir à répéter même erreur qui viennent produire même effet yo. Et que nous pensons sur le plan mondial ou bien ou mettez ou se conscrit uniquement à Haïti. Donc c'est pratiquement même constat. Même constat. Hier, nous avons parlé de questions de ces démarches là. Nous avons gardé plusieurs branches là dedans, mais bah, ça a pile données qui a privé là dedans. Un pile d'autres données qui apparaît avec les derniers sorties. Directeur affaire, beaucoup de ça là. Docteur, il persistait, ah pas docteur, directeur, il persistait que c'est croisé le croisé avec madame présidente l'autre bois. Non, il n'y a pas de connaissance de l'autre bois d'avoir allé. Et puis, il n'y a pas de sport qui a circulé sur YouTube là et Martin Moïse, pour moi. Il a expliqué raison voyage d'y a ça l'a fait. Donc, monsieur pour ma carte, véritablement. Et moi connais, je ne sais pas connaît si c'est ça a été enregistré, audience qui t'a fait entre directeur avec sénateur. Sénateur, tu as mis tes petits partis, ça. Oui, on était au bout plein de l'affaire. Petit parti côté monsieur fait déclaration. La gueule sous les yeux. Oui, vous comprenez? Parce que là, monsieur, c'est une pratiquement parole par sénateur. Avec parole par. Donc, vous avez comme l'impression, dirigeant, yo sans respect. Pour la population, hein, nous qui permettre de ni faire n'importe qui bagaille et dire n'importe qui bagaille. Bon, en tout cas, maintenant, on va parler de dossier des malogues là encore. Et parce que, bah, ça, c'est un gros désordre
l'on prend une question mathématique, rapport travail il fait pour 50 millions de là, millions de 3 ans, mais du travail là, il n'est pas bon encore. Bref, l'État n'a pas qu'à venir comme ça. Près de 70 millions de là à payer, j'étais comme ça, un pays aussi pauvre. Et regarde le budget, nous prenons compte que 77% de notre budget, c'est l'argent de poche qui fait. Il faut nous comprendre ça. Et mais l'on regarde l'annexe se passe, l'exercice fiscal se passe, il y a des économistes qui parlaient de. Si on est catastrophique sur le plan économique. Parce qu'avec un taux de croissance 1,5%, un taux d'inflation 15%, ouais, la différence, hein? Un taux de croissance 1,5% et un taux d'inflation, à dire augmentation de prix dans un pays, prix produit, un taux d'inflation à 15%. Et puis, nous avons un déficit budgétaire qui avoisine près de 13 milliards de gouttes dans rien 3 mois. Donnez-vous là. Donc, données statistiques, ça y est, clairement prouvé échec gouvernement au pouvoir pendant l'exercice 2017-2018. Maintenant, bon, dis-nous bagay. Est-ce que nous devons rester à constater ça et puis c'est tout? Paul-Palais.com. Ça me le dit pas là. En exercice 2016-2017, n'importe qui nous n'a qu'à aller donner ça aura les chiffres. Napoué, c'était encore catastrophique. Un taux de croissance qui moins que 3%. Tu as gagné un taux d'inflation entre 12 à 13% dans l'exercice 2016-2017 là. Dans l'exercice 2017-2018, un taux de croissance 1,5%. Parce que bon, ensemble d'événements passés qui ralentit la croissance économique là, par exemple, événement c'est cette vieille, mine de rien, il y a un gros impact sur un disparcours économique. Genre de impact ça, nous connaissons souvent jeunes, lorsque il y a des catastrophes naturelles, comme le cyclone, le tremblement de terre. Là, nous évaluons le niveau de perte, nous avons regardé, nous considérons que les analyses de données économiques, nous avons constaté que ça nous trouve ça. Mais dans le cas par nous, l'année 2017-2018, l'exercice-là, c'est la même catastrophe naturelle. C'est un événement. Dit sociopolitique qui produit et qui mène nous là. Donc, un mouvement social, on levé campé par rapport à l'augmentation de prix de produits transversales et qui a un impact considérable, mais pas seulement 6-7 juillet, mais nous venons prendre 17 octobre. 17 octobre là, pas de gain et casse. Mais tu soulevé un pile d'inquiétude de la carrière économique qui t'est forcé à adopter de l'autre comportement qui vient fait que tu as un pile hésitation sur le marché économique. Là. Et depuis que tu as hésitation, tu as un ralentissement d'activité. Tu as d'accord, même un trou qui a fouillé. Et puis le 18 novembre, 19, 20, 21, 22. Donc 5 jours, côté pays a été pratiquement lock. Donc, on a compris, évidemment, et ça a toujours gagné un impact.
dans l'économie. Nous avons des gros impacts sur l'économie. Et tout ça a fait que l'organe d'indice macroéconomique qui a dit 4, mais pays ça, c'est un coup moun li blessé, mais gon ven qui chire, et puis c'est ça qui a pompé. C'est pas un yé qui fait pour opérer le rapide, de sectionner ven pour permettre que yo rete hémorragia, moun sa li pa pou mouri. Donc c'est dans la situation ça pays a trouvé. C'est un commun du gouvernement. Donc c'est l'année. C'est une phase qu'on s'ennuie. Donc il y a une nécessité pour une opération rapide qui fait sur le plan économique en un pays a pour que nous stopper l'hémorragie. Mais au-delà des événements, ça y est, qui lié à mauvaise gestion politique, pays, mais parallèlement, bon, mauvaise gestion de l'économie, pays, tout. Bon, mauvaise gouvernance publique, ça va appliquer tout. Un paquet de dépenses futiles. La jab dépense à gauche à droite pour des bagailles qui pas porteur et aucun secteur porteur, je veux dire pas ouais, aucun investissement fait là-dedans. Donc, de 2015, exercice 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, et toute période ça aussi a décréché nous de nous aller. Maintenant, est-ce qu'on a croisé nous pour nous garder? Comme si Mdadou, et depuis 5 ou 6 dernières années, ça y est, économie, la ville de mal en pire. Mais en tant que citoyen, nous ne pouvons pas regarder ça. Et, parti politique, c'est vrai que là-dedans, là, qui a fait des mouvements, là, qui a les pignes, qui m'a dit, départ président de la République, là. Mais, entre nous, nous pas capables comme citoyens la gay responsabilité ça à la caille dans mes partis politiques seulement. Où nous avons une baille, et monsieur Mouno sur bien côté c'est analyse fonction à faire jeudi. Là nous quittons mode bataille ça comme si exiger de meilleures formules de gouvernance publique, exiger une meilleure gouvernance publique, exiger gagner de politique publique qui est bien définie et élaborer des projets à long terme pour que l'investissement public qui a fait à travers le programme gouvernemental là, c'est l'investissement qui pral bénéfique, même si ce n'est pas court, mais à long terme, pour la République. Nous, pas qu'à quitter force de pression, hein, seulement nommer les partis politiques. Faut ensemble de groupes organisés en notre société. Hein. Yo joué partition par roi comme groupe de pression qui pour agiter question au niveau de la scène pour que l'État dirigeant prenne responsabilité. Mais là nous quittons, c'est seulement parti politique qui ont même entré dans la dynamique de l'opposition qui avant tout, perspective par l'autre dans la dynamique de la plus grand pouvoir. Donc, dans l'opinion, il y a bien des adhésions, oui. Mais certaines fois, il y a bien des critiques, et il y a des éléments d'impression, certainement, pour des raisons X, qui prennent le discours pouvoir, pouvoir, besoin, des mecs qui assemblent le pouvoir, qui prennent en quelque sorte et diminuer la capacité
de nuisance parti politique. D'autant plus que son paquet de partis politiques, nous d'achirer qu'on est là, qui est en opposition. On ne peut pas vous d'achirer sur le plan économique parce que il n'y a pas de même vrai. Il va remplir le même, nous va cotiser vrai. Donc, il n'y a pas capable de faire aucun voix. D'ailleurs, en Haïti, je dis, le fait que la population démissionné quelque part, lui laisse toute bataille ça au nom des partis politiques, vient faire que qu'il y a pour quelle que soit activité de mobilisation ou de l'argent. Donc, nous ne sommes pas capables de la qualité de bataille ça seulement sous compte parti politique. La guerre sous compte secteur démocratique, sous compte Mopod, sous compte Piste des Salines, c'est au cap lancé parfois, il va faire recette. Mais non, c'est pour nous prendre responsabilité. Ma point, c'est avec nous. Gardez l'événement 6, 7, 8 juillet. Mais c'était tout le monde qui dit pas d'accord à l'augmentation du Gaza. Et nous disons, ouais, qui résultat le débat. Moi-même, moi, dans là où il y a le 6, 7, 8 juillet. Pardon, moi, dans là où il y a la période ça. Moi, j'entendais des gens qui t'a réagi. Il y a même des gens qui t'a mis des barricades, non? Des gens qui sont arrivés à la caillou, des gens qui sont sous le balcon à la caillou. Par exemple, là où vous passez dans une série de zones. Ou t'as des gens qui ont dit, ah, ben venez, va faire mettre gaz sous le gaz, là, je vais m'arrêter là, et vous n'égalez, et vous ceci. Ou t'as des frustrations qui ont exprimé. Donc, tout le monde qui est impliqué, et même l'événement 18 là, tout est un groupe de monde qui était impliqué là-dedans pour faire mouvement, ça a lié en poids. Paul la palais.com. Et seulement ça, yo. Qui est capable de forcer au pouvoir changer de direction. Parce que moi, c'est un bagaille. J'en ai un gouvernement bralé. Il est bon pour eux même. Et pour nous, le pas bon. Il est bon pour eux. C'est pour nous, le pas bon. Donc, si nous ne forcer pas changer de cap, changer de direction, qui met les eux? Donc, autant de fois, il n'y a pas agi comme ça. Donc ça va déranger, nous ne pouvons pas nous soulever contre ça. Mais il y a continué dans ce sens. Il y a continué. Donc nous avons annoncé de données là qui existaient et ce règlement qui a fait notre recherche là-bas. Donc de 2000, nous avons à partir de 2015, exercice fiscal 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Donc exercice ça y est. C'est en décrochant de nous parler, de nous garder des données statistiques qui ont un rapport avec l'économie. Quoi, toute croissance, toute inflation, le garder des résultats. Et c'est ça qui fait. Dirigeant, nous ne pouvons pas jamais aimer déposer le droit de règlement. Nous ne pouvons pas jamais aimer déposer. Et nous ne pouvons pas jamais présenter aucun rapport efficience et efficacité des dépenses publiques. Et coup des comptes, pardon, les prend habitude qu'on y a, produit rapport sur l'efficacité et l'efficience et l'efficacité de dépenses publiques, les prend habitude de faire, et soumettre au Parlement. Mais, bureau Parlement, les revenus dans le bureau, donc son bureau, en Sénat République en particulier, donc son bureau, qui a qui à la cause du gouvernement, donc tout le monde qui compose le bureau, ça, c'est des proches du pouvoir. Donc, un rapport qui parle d'efficacité et d'efficience des dépenses publiques, yo. Donc, il y a voyé ça nos poubelles. Il y a voyé nos poubelles. Donc, vous imaginez nous, mais qui paye sérieux, ou t'attendez que 3 mois après le gouvernement fin démissionné, pour rien que 3 mois ça, les dépenses publiques qui fait un déficit budgétaire à l'ordre de 13 milliards. Mais qui est sérieux pour t'as un parlement, t'as une commission économie et finance pour la croiser balle. Et c'est ça, oui, mais t'es qu'on reproche
Justin Briver, l'été et président de la commission économie et finance. Et c'est ça qui fait, les Briver prend le candidat pour président, le dernier élection second degré, parlement pour voter. Moi-même, c'est une journaliste qui n'est pas d'accord pour remettre le pouvoir à parlement. C'est-à-dire qu'elle a senti et vers Briver élection président sans parler. Dès qu'il a dit moi-même, pas pour aller dans le Parlement, je préfère la route de cassation parce que Briver n'est pas trop loin équipe peut-être qu'elle en termes de fonctionnement comme président commission économie et finance. C'est un homme qui est contre celui-là. Et je me suis dit, les moyens à dénoncer ça, et Gonzan, moins. Qui, pas mes amis, femmes même, qui sont les gains, les gains de responsabilité, sont mon très connu dans le pays, les petits guaves, et qui est les moins, puis dit, c'est tout comme on est, mon cher, moi, on est dans les amis, les amis, les gars, je dis, qui est ça? Je dis, moi, privé, je ne suis pas seul. Et pour une fois, moi, je ne suis pas là, privé. Le bout de co-président, par les votes noirs, c'est la très bonne chose. Moi-même, mon position qui est claire, je parle dans le Parlement et en particulier, toute gagote qui est faite là dans l'agent de l'État pendant que le Matélia, Justin Briver, responsable. Et toute l'agent, où je dis la boue, mais je cherche l'agent Petro-Caribé, Justin Briver, responsable de toute l'agent, ça va être autre couche. Pour qui ça? Parce qu'il était le président de la commission économique et finance au niveau de la République. Donc il a une responsabilité assurée, veiller des dépenses publiques, s'il a bien fait, si il y a une coche qui a fait pour le dénoncer, critiquer. Il n'a pas jamais fait rien. Par contre, qui est? Je ne pas songer une fois moi-même, sous présidence Justin Briver, gagner même un ministre finance. Il a été appelé, même convoqué. Si je ne suis pas sous président Justin Briver comme président économie et finance, commission ça, nous ne savons pas seulement les déposer budget. Et je ne vais jamais oublier ça. Tu as gagné un groupe, six sénateurs qui étaient bon contre une séance, qui ne pouvaient pas voter, qui n'étaient pas d'accord, budget et j'ai fait ça. Justin Briver comme président de commission finance, avec Ao Don Bien-Aimé, comme président de la commission finance dans les chambres députés, il y a allé avec le gouvernement, ils font l'autre bagage. Comment on les baisse encore budget? Ils font bagage pour le budget passer. Je ne pas si ça a été fait. Mais ils font un bagage extrêmement grave. Justin Briver, n'est qu'il y a des commissions économiques et finances, c'est que Justin Briver, député à Odon Bien-Aimé, n'est que ça, il y a pour beaucoup tout. Parce que il y a pas de fait job yo qui s'est contrôlé le gouvernement, notamment moun qui a appelé à faire à gérer qui sont l'argent de l'État, notamment le ministère finance, économie et finance bien sûr. Même de reprocher ça en pile, l'été plus non cocodaï avec monsieur yo, privé patin en opposition, privé patin en pouvoir, téléphigné, depuis on parle de monter une position sans me garantir, sous l'offre. Parce que la neutralité n'est pas existante en politique. Vous mettez quoi même aux études de la vie. Même Jésus-Christ dit ça. Sous pas avec moi contre moi. Pas un monde qui est neutre. Donc, on parle de la lui-même, il n'est pas en opposition, il n'est pas proche du pouvoir, il est sous l'offrier. Il faut qu'on idéologie, il faut qu'on position politique. Sous l'offrier. Donc, vous êtes plus. Et là, on descend dans le NIP. Et là, quand il y a, on descend. On change l'histoire, ça. Donc, si l'appel, ça est important pour nous faire. Donc, pour me tourner à côté, mais si vous me dites, nous, mon qui préside dans la commission avec finance, Jodia, et qui a monsieur, c'est Bélizère, mon quoi. C'est l'affaire Bélizère, dans le niveau Sénat République, là. Et mon qui préside dans la Chambre des députés, comment il est président de la commission finance, dans le feuille, deux mouns ça y ont une grosse responsabilité. Le travail pas seulement consister à
travaille sur le budget, sur la finance là, et puis pour du rapport, et puis demander pour qu'il y ait un vote favorable, et puis c'est fini. Non. Il y a une grosse responsabilité assurer que ça qui dit dans le budget, il respecte, il exécute. Et pour ne pas comprendre comment faire un parlement, un bureau Sénat pour recevoir le budget nommé au gouvernement, sans ne pas recevoir la loi règlement. Ça qui dit selon la loi, il paraît sur voile. Donc ça va montrer nous dans quel niveau Parlement est entré dans un vaste complot avec l'exécutif. Donc yo co-responsable de désastre économique ça que nous trouvons aujourd'hui. Et ça, où est-ce là? Dans ça, où est-ce là? Et pour ce qui est petit, non? Déjà, il y a une projection qui est faite en septembre 2019. Taux d'inflation a passé à 15%, là, il y a 13%, 13.5%, bah, comme ça. Donc, en septembre 2019, taux d'inflation a passé à 15-17%. Donc, ça veut dire, il y a un monde qui gagne un goût de nom aujourd'hui. Donc, pour arriver septembre 2019, selon la prévision qui est faite, pour arriver septembre 2019, Goudoua l'a perdu 17% de valeur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Donc, les 13% là, 13 à 14%, si je ne me trompe pas, donc, ils ont projeté, ils ont fait prévision septembre, si rien n'est fait. Si par aucune radio 20 ans nous suspend la dernière. Sans suspendre couler, n'a passé à 15-17% au taux d'inflation. Avec un salaire minimum 300 gouttes. 350 livres, si je ne me trompe pas. 300 ou 350. N'a pas compris. Donc, maintenant, est-ce que moi-même comme citoyen, ou même comme citoyen capitaine de Mla, est-ce que nous devons croiser les bras, nous regarder? Pour dire que vous avez payé, c'est pour vous, il a fait ça, vous voulez. Et bien, pas pour nous, nous-mêmes. Payé pas pour nous. Est-ce que nous sommes obligés de croiser les bras, nous, à garder ça? À garder, dans moins d'un an, dans moins d'un an, le pourcentage de franchise l'État accordé à deux groupes, il a pratiquement explosé. Pratiquement explosé. Mais ici, franchise à gauche, à droite. Je fais ça, on est détournement de franchise même. Et puis, l'État, côté la foule, mais pour le chercher comme n'importe moi, n'importe où, n'importe là. Et puis, si, pas de la franchise à des groupes barons, à des groupes altos, mais qui a détourné la franchise, qui fait l'État comme manque à gagner. Et puis, il dit le besoin de l'argent. Mais pendant le besoin de l'argent, quand il y a une nouvelle, dans la poche, tu m'as allé à moi-même ou même. Ou même qu'à bonne l'eau là, vous l'avez acheté de l'eau. Donc, c'est ça où les recettes domestiques, ils ont pratiquement augmenté de façon exponentielle dans le budget ça. Dans le budget 18-19 là. Recettes domestiques là, donc, c'est sous ça qu'ils sont achetés. Ou acheter un sachet de l'eau là, l'État a gonté CA, vous allez prendre la donne. Vous taxez que le prend la donne, qui sortit dans la poche ou même. Pendant que la baie de l'autre groupe a eu franchise, qui a explosé à près de 20 milliards de gouttes de franchise. Bon, est-ce que nous avons chita et croisé bras nous pour nous observer, nous avons gardé ça. Et puis quitter maître de Michel, à battre booster toute cette journée après l'amour, quitter Chile Rido après l'amour, à dénoncer, Moïse ça a pris la rue, après gaz toute cette journée. Mais et nous-mêmes. Côté responsabilité pas nous, qui est la joué. Et c'est ça qui fait force tout mouvement social ou bien dans quel que soit pays. Lorsque Goumara qui pas marché, ils ont estimé l'État fait trop injustice, injustice sociale, injustice fiscale. Donc ce n'est pas l'affaire d'un parti politique ou d'un groupe politique, mais c'est l'affaire de tous. Prenons l'exemple de ce qui se passe en France. Au Belgique.
paul@palais.com. Donc c'est un phénomène mondial, je dis, côté population dans divers pays, décider que pour suspendre subir l'injustice sociale et l'injustice fiscale même. J'ai l'affaire de partis politiques en France. Ce n'est pas Marine Le Pen, non, qui parle en pile. Ce n'est pas Jospin, et pas Nexa, qui parle en pile. Mais c'est un gros mouvement social qui regroupe plusieurs secteurs, même chauffeurs de camions, des patronats, qui prennent la rue avec des gilets jaunes sous eux, qui demandent des changements. Tout secteur là-dedans, tout le monde. Pas une question de si ma fait la synthèse qui a bénéficié politiquement. Non! N'a pas un mouvement qui a un rapport avec social. La vie contre la vie, condition sociale, mon Dieu, pardon, et le salapel. Et nous avons commencé par exemple avec la question Petro Challenge. Là. Où est passé ce mouvement? Quand est-ce que vous avez initié Lyon? Qui est mal ou en pleurs? Nadi, qui est au niveau de. Nadi, qui est commencé à. Créer cette égale au niveau de conscientisation populaire. Potel. Le fait que y ait des politiciens qui entrent là-dedans dans le mouvement, ils ont retiré quoi yo. Mais nous trouvons les politiciens qui a parlé dans ce rapport en France. Nous trouvons les politiciens qui a parlé, qui a entré dans ce rapport au Belgique là. Mais Mounio est là, il n'y a pas de politiciens avant tout, il y a la République avant tout. Il y a la condition de la vie sociale yo, avant tout. Donc, quand le mouvement de Tchaline s'est passé, c'est preuve que les gens qui t'a fait, ils ont été de notre projet. Donc, ce n'est pas un combat qui a un rapport avec le pays qui t'a fait grave dans la question de Tchaline. C'est le but de un projet politique derrière. Donc, automatiquement, il y a un acteur politique qui est de la donne, nous crasons, nous allons à l'école, nous faisons même penser, nous ne pouvons pas exploser, c'est nous nous voulons apparaître ou bien nous voulons nous vendre. Au mouvement Haïti, nous voulons écouter. Je me demande qui est-ce qui est dans la tête, je vais beaucoup citer, non. Mais pour qui ça, d'un coup, le mouvement, le déchalouer, le craser, l'éliminer. Alors que, la revendication était tellement juste, le fait que gagner, on a l'impression de gagner un niveau de conscientisation populaire qui a venu, qui a vivé sous nous là. Tout le monde dit c'est trop, pas trop. Et nous débattons un exemple. Parce que, même dis-nous, l'illogique pour que les politiciens viennent, c'est politique qui vient faire. C'est normal. Donc, c'est de ça vivre. Et c'est ça l'a fait comme profession. Donc, ça va le meilleur jour, ou même qui implique nos mouvements qui gagnent pour un changement de pays, pour nous, les politiciens, ou qui sont paix, ou à l'école. Parce que vous parlez de pays, vous savez pas le pays. Donc, c'est pour vous très, très clairement que vous concernez. Donc même s'il est là, même où là tout, donc là pour pouvoir lui-même, on a toujours les mêmes positions pour mettre pression sur lui. Faut faire comprendre ça. Donc c'est pour montrer la capacité de mobilisation ou même ou gagner comme groupement social, comme organisation populaire. Faut montrer force ou comme groupe de pression. Donc c'est à montrer que des mouns qui tiennent en question peut tout à l'aime jour. Des artistes entre guillemets, ils ont de notre agenda. Ils ont préparé terrain pour notre groupe, de notre visage entre sur chaîne politique. Mais notre visage est venu, non, il y a un snack qui l'a déjà carré. Oui. Vous connaissez. Il ne faut pas peut-être dénoncer ça, pratiquer ça. Il y a critiqué les politiciens qui ont été tués, mais ils ont même tout été tués. Ça fait pas eux de venir régler. Peut-être que les politiciens ça fait pas eux de venir régler, mais pourtant, même tout, ça fait pas eux d'après bien, ils n'ont pas d'accord à faire pays. Mais si tu as fait dans ce pays, nous ne pouvons pas quitter le mouvement tombé. C'est parce que nous n'avons pas d'accord à pays. Et mais, je suis curieux, je suis le mouvement devant, coup de côte là. Oui, qui tourne, je suis là. Artistes ont fini déborder sur les réseaux sociaux. Fait mouvement après Shell Market, Challenge, Petro Challenger. Côté mouvement, ça passe. Si
c'est nous d'après gloire faire pays. Nous t'a demandé contre l'argent pas c'est vrai. Nous pas de camper côté nous. Et parce que Moïse en salle, Chile lui dort, André Michel vient parler dans mouvement et puis il aller quoi. Mais c'est politique qui a fait au même. C'est mal pour des revendications pas comme politicien qui c'est la démission du chef de l'État. Ça va de l'intérêt c'est nous-mêmes, mais nous n'a demandé pour l'argent en fait. Donc ça veut dire autant de fois que pas qu'à gagner explication, n'a pas fait mouvement. Ou pas un mouvement gilet jaune, que ce soit en France, Belgique, en Allemagne, qui n'ont pas gagné à voir avec politiciens. Mais on ne peut pas empêcher les politiciens, pas de mettre ça, c'est irresponsabilité pâle, c'est politique l'a fait. C'est politique l'a fait. Donc nous avons des missions pas nous. Nous avons des projets pas nous. Il faut que nous disions nous bagarrons rien, nous la faute non. Et nous n'avons pas excusé, mais aussi de temps en temps, ouais, pas pour une petite pause dans mes coins, c'est parce que ça c'est quoi, fin de forme, j'ai envie de gagner une grippe la fièvre, la mec de yo, ça c'est quoi, pas fin de forme. Et donc, nous pas doué. Est-ce que nous devons croiser bras nous, parce que nous devons quitter bah, là, pour aller comme ça. Mais chaque des citoyens, nous concernés, moi-même me concerné, parce que le fait que je viens dans un micro, je dénonce ça, je parle, je critique, je parle de son budget, je prends des éléments clairs pour me faire comprendre des réalités. C'est déjà moi pas même jouer, mais ou même qui l'a caillé, ou même qui n'a pas ou même qui n'a pas magasin, ou même qui n'a pas bureau, qui sont faits comme action? Qui sont faits comme action pour que ou dit non, ça va continuer encore? Pour que chaque année, pour chaque exercice, le regard des bilans, bilan plus mal que jamais. Hein? Nous ne pouvons pas accepter ça, on est d'accord. Nous ne pouvons pas accepter ça. Alors nous, là, comme citoyens, pour chaque année, chaque mois, nous acceptons. Taux d'inflation a monté comme ça, et puis nous avons des gens qui ont dirigé, nous avons des gens qui ont touché, qui pour planifier l'économie pour nous, qui pour freiner ça pour nous. Et puis nous croisons les gens qui ont gardé. Pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que je suis à la caille, depuis que je mange un pain pour aujourd'hui, même si j'ai acheté 5 gouttes, demain matin, j'ai acheté 7 gouttes, depuis que ça va déranger. Mais non! C'est le pouvoir d'achat qui diminue tout, les amis. Donc, si vous quittez la continuer comme ça chaque jour, ou le cas privé, paye monter 10 gouttes, mais là, ça, pour jouer 10 gouttes, ça, il faut faire plus de travail, plus heures de travail. Les gens ne sont pas capables de répondre à moins besoin tout. Donc, la vie a bien plus cher. C'est conditions sociales ou cap détériorer. Mais nous ne pouvons pas croiser garder ça. Pour nous dire, c'est pour tout bagaille pas politique. Tout bagaille pas politique. Ça, lui dit avec la vie ou. Agent vive. Alors, bon, me dis nos bagailles. Bon, me dis nos bagailles. Comme si nous devions s'arrêter, nous garder, nous, ouais, chaque année, face, d'adou, service. Santé, la dégradée de jour à jour. Et chaque jour, je me dis, bon, l'hôpital dans la capitale là, l'État, oui. Bon, semi-l'État, semi-privé, comme ça, oui. Je vais te raconter, je vais parler, l'université militaire là. Si on a des problèmes respiratoires pour prendre l'oxygène, on a malade, même si il y a un coma, on a besoin d'oxygène. Un bonbon, il faut gagner $400 pour jouer un bonbon. Et dépendamment de qui est fixé, on a besoin d'oxygène. Il est capable de faire 20 minutes. Il est capable de faire 24 heures de bonbon. Donc on imagine un monde qui est hospitalisé dans l'espace ça, qui a besoin d'oxygène, qui l'a pour une semaine. Et puis son mari la saline. Et bien, d'où il a le couche en côté de mourir.
Là, je dis 400 dollars, 2000 gouttes. Mon monde, hein? Pour jouer nous. Donc, ça veut dire, oh, si mon a consommé, ça veut dire, le bonbon d'oxygène, ça n'a pas capable de faire 24 heures. Donc, imaginez, okay, mon monde qui est dans la situation, ça pendant une semaine. Et puis, mon sasson, mon la saline, là, l'habité. Son marché, mon quoi, beau sale. Sont mon cap pour mener pistache. Sont où mais sont mon cap travaille dans factory, cap 300 gouttes par jour. Vous imaginez, la plus c'est 300 gouttes. Les métiers manger là-dedans, les métiers couche machine là-dedans, et du coup, il y a le malade, il besoin d'oxygène seulement pour 2000 gouttes par jour, la besoin. Ou pas celle de café économie pour le pays, ça. Même si il fait 5 ans, 10 ans de travail, en tant que policier là, il n'y a pas jamais. Il n'a jamais tapé, non? Olapalais.com. Et même si le président a crédit, bon, il était capable de l'hôpital, ça, même nettoyant dans la ville. Ouais, merci. Bon, on a qui dit, on a parlé avec le professionnel de santé, là, qui a en même temps. Il dit, si le docteur a demandé la 10 ou bien 12 litres par minute. Ok? 10 ou bien 12 litres par minute et il va même vers 24 dedans. Vous imaginez que vous avez une semaine de besoin d'oxygène. Mais situation, si, là nous prenons des petits détails. Parce que où est-ce là? Par exemple, où est-ce la caillou? Et vous tendez et Don Cato. Ou elle chie le budget, ou elle dénonce, ou elle tout le douche, c'est net, le mauvais droit de quête, monsieur. La tienne est gaboutale, regardez les sénateurs, vous la parlez pour ça d'une opposition, mais aussi t'as parce qu'on casse ton pain, parce qu'on casse de goûter, vous prenez, vous bossez d'elle, mais le qui tombe dans l'hôpital pour elle, ou dans la situation, ça ou besoin d'oxygène pour elle. Allez, l'hôpital, ça m'a dit, nous, là. Ou après, nous compte que 4, monsieur, m'a payé 200 dollars, 400 dollars, donc 2000 gouttes par jour pour un bon d'oxygène, pour me faire 24 heures dedans. Et m'a payé, m'a touché 300 gouttes. Et m'a dit, nous, ma gagne. M'a dit, m'a dérangé de mon sous tout pouvoir. Ou après, travaille dans la factory, ou après, touché 300 gouttes. Mais où senti ce même mouvement que tu fais bloquer le pays pour que les gens ne changent pas, t'es mieux, parce qu'on perd 300 gouttes là. Mais est-ce qu'on connaît le mouvement, ça t'est capable de permettre que si des gens sérieux fait dans le bail là, pour que vous fassiez en sorte qu'on touche plus comme à l'avenir. Vous comprenez ça? Maintenant, le fait que vous êtes à un moment que vous avez aller et puis, regardez pour vous. Sous ton beau malade là. Bon, en disant que je voulais me calculer, je voulais me rendre. Qu'on a dit que j'ai fait dialyse. Bon, ça, c'est l'Américain, ça a payé lui-même. Bon, bon, tout bagaille. Bon, attendez, bon, tout bagaille. Ou après, lui, on considère un nèg qui n'a cap touché 300 gouttes de factory qui n'a pas que là. Et puis, lui était cafou. Chaque jour pour venir dans le parc industriel là, sous Odaobwa. La paye machine, il faut au moins manger un plat chaud par jour. Donc, dans 350 gouttes, 300 gouttes, je ne sais pas combien il y a, mais il a pris ça, 300, 350 gouttes, je ne me trompe pas. Lié. Et puis, vous imaginez, mon ça, il a un problème dans rien. Il a besoin de faire dialyse. Il n'a pas de business, par exemple, il n'a pas de qualité pour lui. Il n'a pas de lié, il a trois timons, il a madame, l'école pour le payer, il a touché 300 gouttes, et puis, blip, mais il est tombé malade, il a besoin de dialyse. C'est 100 dollars, 200 dollars. Et vous avez l'élève de l'hôpital général, par une matière première, c'est lui pour l'acheter. Pour faire dialyse. Oui,
Bon, dis-moi, monsieur ça ou madame ça, qui est malade là, qui a travaillé dans le parc là, est-ce qu'on pense qu'il a fait dialyse? C'est pas doute d'aller coucher pour le mourir pendant une semaine? Est-ce que c'est pas dit à mourir? Comment on peut le faire dialyse ça? Mais comment tu comprends, non? Donc, pas aucun programme de protection sociale ou de protection médicale, pas qui bagaille ça, auditoire, non, société, pays a fonctionné, vaille, que vaille, nég a dépensé la gauche, dépensé. Hey! Et puis, ça, belle là, 90% de la population croisée, bras l'a gardé. Plus chita, là, pour observer, chaque année, bagaille la bimbi grave, lui, pas dire rien. Nous avons habitude. C'est lorsque y a fait répression, y a battu nous, y a tiré la caille nous, y a tiré nous, et laissé nous lever capé. Et dictature nous paie. Mais moun kap tout pisi nous économiquement, moun kap fait mal vivio. Hey, parfois, un gouvernement capable de faire nous plus mal. Pas de la fait démocratie, entre guillemets, avec moi, qui ont l'autre qui vient dans la dictature le faire, oui. Ah, nous pas imaginer ça. On peut imaginer ça. On va le dire là, on va pas donner statistiques. On va faire une enquête sur ça. Peut-être que mon n'est pas d'accord avec ça, on va le dire là. Même presque sûr. Si nous considérons de 87 après deux par Jean-Claude Duvalier à Jodia, modèle de gouvernance que l'État a gagné. Il y a plus de monde qui mourit dans mauvaises conditions, la vie tout yo, misère, maladie, fatra, nous pas qu'à faire une soins santé, l'hôpital pas qu'à faire un médecin. Il y a plus de monde qui mourit que monde de 57 à 86 m'a coûté tout assassiné par balle. Donc, on va dire bon, ça aussi exécution sommaire, c'est pas qui condamnable, mais écoutez, tout mourir c'est mourir, on d'accord avec moi. Les gens qui ont les âmes qui tirent, le régime qui tire les gens, qui battent tout le monde, avec le régime qui mettait nos misères, nos esclavages modernes, qui a entré, gaspillé l'argent de la corruption. Est-ce qu'il n'y a pas de criminels pour tirer? Mais presque sûr, de 87 à aujourd'hui, il y a de plus de gens qui mourent dans la mauvaise vie, dans la misère. Ou bien ça court à chercher la vie et en République dominicaine, ou assassiné, ça a passé sous dans la rage au Brésil pour aller au Chili, ça a pris bateau dans la misère, ça a pris un bateau pour aller, bon people qui tombe noyé. Donc, hey, me sa misère tout y est, insécurité, dans la mec proliféré dans une série de quartiers, et autorité à Baïsam, jeune garçon qui l'a gagné dans la drogue, dans la fumée, à cause de mauvaises politiques publiques, parce que plus de monde nous assassiné, plus de monde, entre guillemets, qui dit que c'est démocrate assassiné, que ça qui est dictature. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec moi. Mais il a me pensé. Moi, si nous comprenons, non. Donc, alors que nous-mêmes, qu'est-ce que nous comme peuple, nous chita là, nous quittons là, et Moïse, ça l'a parlé, et au début, ça l'a parlé de cette journée, et Chita, il doit parler, et Kato, Donny Kato a parlé, Nel Beauplan, mais qui est là où tu vas passer sous pouvoir tout, il a parlé, mais hé, hey. Puis là, des responsables de ça l'a parlé là tout, il faut nous dire ça, parce qu'on n'a pas passé sous pouvoir. Donc, ouais, ça veut dire, nous avons plus raison encore. Pour que c'est nous-mêmes qui prenons responsabilité nous. C'est nous-mêmes qui prenons la charge pour nous dire là, halte là. Mais si nous ne pouvons pas continuer à diriger le pays comme ça, nous ne pouvons pas tolérer un parlement à fonctionner comme ça. Tout le monde sait de la donne, nous tolérons toute bagaille. Paul-la-palais.com. Nous ne pouvons pas faire ça. Comme peuple, il faut nous caler les jeunes, il faut nous frapper bien. Faut dire là, nous pas qu'à continuer, ça pas qu'à continuer comme ça. Faut dire ça. Moi-même, ça dérange. Ça dérange. Le chacun m'entre dans nos baquettes, m'a lâché ton drap, parce que chaque semaine, moi, vous n'êtes qu'il a anti-fils, mais l'absolu de bruit.
Ça dérange. Et bien chaque semaine, quand vous augmentez, moi-même, ça allait augmenter. Chaque semaine, vous augmentez. Chaque semaine, vous augmentez mal, vous mal, mon Michel dit, ah, monsieur, Dieu, mais monsieur, tel, ben, vous montez, oui. Ça ne marche pas le dérange, ça dérange le monde. Que ça va déranger nous-mêmes. Ça va déranger nous chaque année. L'école l'a dit nous, madame Gemilou l'a ajouté sous frais scolaire. Ça va déranger nous. Hein? Ça va déranger vous dire chaque année nous bataille pour choisir nos timonets pour aller à l'école là qui de petit monde jeune fiche pour la composer. Ça va déranger nous. Nous va bouquer avec ça. En sérieux. Faut nous net. En sérieux. Faut nous l'air, faut nous dire attention. Nous pas continuer comme ça. Donc, si je peux garder sous les politiques, nous-mêmes comme peuple, organisez-nous en dégoûtement, en des forces de pression, pour mettre pression sur l'État, pour nous forcer les gars à jouer au lieu. Gardons bagay. Les gars, ils ont signé un contrat agréable, ils ont gaspillé l'argent, il y a c'est pas vrai, regardez le rapport pour des comptes qui parle d'efficacité avec l'efficacité des postes publics. Regardez mes amis, l'argent dépensé n'importe qui gens, regardez les autres, c'est un plus gros bagage que vous avez fait. Dans moins de 2 ans, vous gaspillez pas de 17 millions de dollars américains pour que son identification au premier près 50 millions. Il construit un système, après ça, un rapport pour dire, soit le système m'a dépassé, mais nous disons, c'est refait, il y a le paiement de notre compte dans notre pays. Hey! 77 millions de dollars, ça. Il y a un paquet de bagailles que le carrefour coule, qui est sur le plan social. En sérieux? On ne paye pas à côté de diriger comme ça. Donc, nous-mêmes, comme citoyens, il faut être conscient de la capitale dans son nom. On va continuer comme ça. Donc, comme suspendu sur la caille, et si nous gardons des mouvements gilets jaunes, écoutez, situation la France, là, il y a même rien avec nous, non? D'ailleurs, la France, lui-même, c'est pays, c'est champion de la question de pression fiscale, lui. Champion, lui. C'est côté niveau de taxation, il est extrêmement élevé, oui. Mais c'est pays côté un minimum de soins santé, oui. Son pays un minimum d'éducation, d'ailleurs, champion, ça. La question qualité d'éducation. Qualité d'éducation, français est sensible pour ça. Si moun français yo, si française yo, français yo, yo jouen bonjour éducation. Yo jouen bonjour condition santé, oui, y'a vivre dans un environnement qui plus ou moins acceptable, oui. Côté ka respirer bon air. Y'a plus ou moins, oui. Mais malgré tout. Ça n'a pas empêché le fait que gagner en quelque sorte à la justice sociale, ils ont priorisé les riches plus que les masses. Ou est-ce un mouvement qui déclenche là? Et ceci, ce n'est pas les politiques, c'est seulement la donne. Ou est presque toute couche dans la vie nationale là, la donne là. Parce que les Français, ils ont senti, ils ont concerné. C'est la vie petite. Yo. Je regarde une image que des petits petits, ils mettent au cadre de qui marquait bonbon trop cher. Si vous n'avez montré tout le conseil, c'est lui qui consomme bonbon. C'est lui qui consomme petit bonbon ça. Et le poche papa comme l'a sorti, donc ça que l'a papa l'a pas caché même quand c'était bonbon pour lui. Donc il a fait, il a conscientisé même si vous n'avez pas. Donc il faut que le peuple a tout suspendu sous bluff. Faut que lui montre le concerné. Olapalais.com Olapalais.com Olapalais.com